Est-ce que mon X, il est où X? Le robot là. Ça, je dois le prendre et le mettre dedans. Mais... Mais je ne sais pas comment faire. Et X, il est où X? Parce que je sens qu'il y a un toit comme vous. Il va me courir après là. Hein. J'ai perdu mon robot. Pourquoi? Parce qu'il y en a là. Il est là. J'ai perdu mon robot. Je sais pas ce qu'il faut faire, j'ai perdu là. Non, 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 non. Je sais même pas si c'est ça qu'il faut faire, mais je me baigne ici. Oh, putain, je sens qu'il y en a là-bas. C'est atroce. Et c'est atroce à vivre. Non, en fait, là, je fais le tour, en fait, parce que là, c'est où? Attends, là, ça va... Attends, parce que là, ça se passe dans le noir. Les gars, là, je suis perdu. Stress dessus. Je sais pas si c'est par les... Attends, là c'est où je suis descendu là. Enfin... Attends, j'entends un truc. Attends, j'entends un truc qui marche là. Putain, dépêche-toi. Je suis perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? De merde. Mais le robot, il est où le robot là? Putain, je suis perdu. Je vois plus le robot, il est pas là. Oh, putain, il est là-bas. Attends. Si je passe seul, hein, il me voit pas. Attends, j'essaie de faire le tour par là pour voir. Ta merde, tu m'as pas vu. Non, non, non. Non. Attends. Oh, il y en avait un à côté, putain, ça... Putain, il m'a fait peur. Putain, je me suis fait mal dans le cou. Il y en avait un juste à côté, en fait. En fait, ils m'ont pris en sandwich, ces fils de pute. Bon, attends, j'ai écouté ce qu'il dit. Laika, tu vas bien? Comment t'as fait pour te retrouver ici? Elle va bien, tant mieux. Nous allons pouvoir sortir d'ici. Mais le robot, en fait, il a bugué parce qu'il a pas épu. Hein. Rugis! Mignon comme tout. Vous savez que en fait comme un con je suis en train de mettre ma main devant pour essayer de le caresser quoi. Bon là je suis perdu. Je disais juste que... Oh oublie ça. Mettons toutes les batteries dans les générateurs et découvrons ce qui se cache dans ces données.
fait, vous savez à quoi ça me fait penser là ici? Je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi. Et franchement, ils devraient le mettre en compatible avec le PSVR. C'est Alien Isolation. Alien Isolation en PSVR, ça peut être juste énorme. Peut-être pas le jeu de l'année, mais. Graphiquement, il pète sa mère quand même, graphiquement, Alien Isolation. Et tout fan qui se respecte va pas me contredire parce que il est bien foutu comme jeu. Malgré que il y a trop de. Comment il s'appelle? Trop d'humanoïdes. Pourquoi je peux pas faire le scan ici? J'ai pas compris. Progression. D'accord. Je vais regarder un peu les créatures que j'ai découvert. Pourquoi il y a. Attendez. Je comprends. Pourquoi il y a des jauges en dessous en fait? Regardez-moi ça, Raptor. Donc là, tu vois, là vous voyez, je m'éloigne, mais là, si je me rapproche, je peux les voir de plus près. C'est lui qui m'a bouffé le cul, là. Petit enculé. Ouais, c'est sa langue. Bah Dieu, il me ressemble un petit peu. Hein. Avec ses petits cheveux derrière. hop, ok. Regardez-moi le T-Rex. Donc le T-Rex, il est différent. Et... C'est pas un T-Rex comme dans le jeu King Kong ou quoi. Mais il est plutôt bien fait. C'est un T-Rex avec des cornes. Hein. Mais il est plutôt bien fait quand même. Hein. Franchement, je savais pourquoi. Vous savez pourquoi en fait j'ai acheté ce jeu? Parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de vivre l'expérience style Jurassic Park, mais également, franchement, si vous avez encore une PS2 ou la PSP ou voire PC, achetez le jeu Peter Jackson King Kong. Franchement, c'est un vieux jeu, mais franchement, j'y joue encore et je prends un putain de plaisir parce que franchement, le jeu il est putain de bien foutu. Et quand je dis qu'il est vraiment bien foutu, c'est que avec les dinosaures et tout, c'est le jeu de survie. Qui est vraiment bien fait. Donc là je suis assis sur un tabouret, mais regardez, hop, si je me lève, hop, on peut regarder debout. Putain, bien foutu quand même, hein. Bon, après c'est, regardez-moi la chenille, quoi. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est eux que je parlais. Bah c'est lui là qui était en dessous de moi là, le noir, le grand noir là. Donc là, si ça bouge un peu, c'est normal. Parce que vu que j'ai calibré ma caméra pour jouer assis, si je mets debout, on voit pas très bien. Oui, bah bien sûr, regarde la télé. Fais-toi plaisir, petit gars. Fais-toi plaisir. Bon, revenons à nos moutons. Je suis bloqué. Je sais pas ce qu'il faut faire. Mon petit robot. Non, il n'y a pas. Et en fait, j'ai envie de tenter un truc. En fait, il me dit. On remet la batterie là. La batterie, je vais bien la remettre. Mais en fait, je. C'est ça qu'il faut. Non, ça marche pas. Attendez, si je m'approche comme un con. Marche pas. Comment je peux faire? Et ça me stresse, ça m'énerve. Enfin, c'est pas que ça me stresse, c'est que ça m'énerve carrément. Quoi. Le scan iris.
Là, je m'approche ma tête pour essayer de le faire, mais... J'ai pas trop compris, hein. En fait, là-bas, il y a des débris là-bas. Donc, je vais essayer de pouvoir de contourner le T-Rex. J'essaie de faire le tour. Ce qui m'énerve, c'est que mon robot, je sais pas où il est en fait. Ça m'énerve. Je vais mettre comme ça. Hop. Si, en fait, il est là-bas mon robot. Je crois que c'est lui là-bas, attends. De toute façon, il y en a un qui va faire le tour, il va prendre part derrière cette pute. Je sais même pas si c'est ça qu'il faut faire. Hein. J'ai l'impression en fait, j'ai l'impression que je vais me faire encercler. Putain, y'en a là, y'en a là, y'en a là. Pourquoi je vais où là, putain? Faut pas que je refasse le tour quand même. Non, 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 et je vais pouvoir faire le tour moi. Moi, je refais pas le tour, hein. Non, 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 mais... Oh. Je peux pas sortir. Oh my god. Il y en a là, hein. J'ai l'impression que j'ai en croisé un là. T'as rien vu toi, t'as rien vu, t'as rien vu. Non, 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 non. Ah, je vois vraiment à 2 cm de moi quoi. C'est atroce. C'est atroce. J'en ai marre. J'en ai marre. Mais en fait mon robot il est où? Parce que putain je l'ai perdu. Je sais pas où il est mais...
Je sais pas s'il y a bugué ou quoi, mais... Ah, le voilà. Voilà, attendez, voilà. Voilà. Concentration. Concentration, parce que là... Je vous le dis... Là, je vous le dis... On se perd très vite dans ce truc. Donc en fait, ça c'est le plan. En fait, c'est la map. Et en fait, j'ai plusieurs terrains à choisir. Donc là, apparemment, là c'est avec les sources d'énergie en fait que je mets, enfin les batteries que je mets dans les trucs. En fait, ça va mourir. Ça va me donner des points en fait d'énergie que je vais pouvoir mettre juste ici pour allumer justement la petite sphère là ici. Alors, du coup, vu que j'ai pas encore mis les trucs d'énergie. En fait, peut-être que les trucs d'énergie, il faut que je les mette là, peut-être, non? Bon, lui, en tout cas, il va m'aider. Vu qu'il est réapparu, il va m'aider. À mon avis. Laika, tu vas bien? Comment t'as fait pour te retrouver ici? Tiens, qu'est-ce que c'est? La station de recharge du planétarium! Bon sang, mais c'est bien sûr! Si tu remets le planétarium en marche, sa puissance de calcul nous permettra de réparer les données corrompues et de les afficher. Quel coup de chance incroyable! J'espère que ça va marcher. Il va falloir utiliser la commande manuelle. Utilise la poignée rouge pour l'ouvrir. Est-il la poignée rouge? Mais... Voilà. Ben ça, t'as, ça je pouvais pas le faire ça. Tu peux insérer la batterie maintenant. Le jeu il a bugué hein, parce que ça je pouvais vraiment pas le faire tout à l'heure. Hein. Bon, on avance tout doucement mais sûrement. Les gars. Scanne ton visage pour t'identifier. Ouais, c'est moi, c'est Morgan Grisplesky Grace. Je suis enregistré sur ce vaisseau. Ni. Il dit quoi? J'ai pas trop compris ce qu'il a dit. J'ai pas écouté en fait et du coup j'ai pas compris ce qu'il a dit. Peut-être que mon truc je peux récupérer de là-bas, peut-être, enfin du carreau, peut-être. Moi je suis obligé de faire le tour. Je ne sais pas ce que je sais. C'est que... C'est que j'ai récupéré d'abord celui qui est en bas. Parce que si je vais là, en fait, si je fais en haut avant, j'aurai le T-Rex. En fait, je peux pas l'ouvrir. C'est bizarre que je peux pas l'ouvrir, en fait, les trucs. Ce que je dis, c'est que si je fais en haut le deuxième, en fait, il y aura un T-Rex qui va être bloqué de l'autre côté, au lieu d'être tous les deux ici, dans l'enclos. Encore des raptors. Bon, on respire, tout ira bien. Ce ne sont que des prédateurs mangeurs d'hommes, après tout. Ce qu'il nous faut, c'est un plan. Ok, allez, comme la dernière fois, on ne fait aucun bruit. Peut-être des fois toi tu bugs toi, parce que peut-être t'as pas... Tu me guides, hein. Non mais il bouge pas, je crois qu'il m'a vu en fait. Je crois qu'il me voit à travers le truc parce qu'il bouge pas. T'en as vu.
Peut-être parce qu'en fait je me déplace rapidement. C'est pour ça qu'ils m'entendent en fait. Que j'aille mollo. Mollo sur l'astico. Il m'a vu. Je crois qu'il m'a vu lui. Non, je pourrais tout refaire, s'il te plaît, arrête! Je n'ai plus personne à protéger! Attends, comment je peux faire? Peut-être qu'il faut que je fasse dans le côté sombre. Pour aller, peut-être que pour rien, il faut que je passe par la lumière, peut-être. Oh non! Encore des raptors! Enfin, peut-être, non? On respire, tout ira bien. Ce ne sont que des prédateurs mangeurs d'hommes, après tout. Ce qu'il nous faut, c'est un plan. Ok, allez, comme la dernière fois. Bon, attends, j'y vais un peu à la YOLO. On ne fait aucun bruit. Bon, désolé si j'ai à se bloquer les gars hein, dessus, mais là. Je fais vraiment de mon mieux. Entre le jeu qui bug, qui a légèrement bugué avec la main là. Tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Non! Arrêtez! J'en garde pas! Vous êtes en haut contre eux! Oh! Ta mère! Il m'a fait peur là! Ah vas-y, ça m'énerve! Je suis vraiment désolé, mais là je suis bloqué là, ça. Ça me stresse! Oh non! Encore des rapports! Promis, j'ai essayé de m'améliorer.
Ce ne sont que des prédateurs mangeurs d'hommes, après tout. Ce qu'il nous faut, c'est un plan. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il te fixe carrément dans les yeux, quoi. Comme la dernière fois. Je suis vraiment mieux. Je suis vraiment désolé, mec. Aucun bruit. Il m'a pas vu. J'en ai marre, c'est stressant, j'en ai marre. Putain, j'ai les lèvres qui piquent. C'est atroce. Pourtant, y a rien qui fait peur ou quoi, mais c'est... Franchement, c'est... L'immersion, elle est vraiment totale, hein. Franchement... On a vraiment l'impression d'être dedans, putain, c'est... Merde, il l'a pas entendu. Non, s'il te plaît, putain, mais j'en ai marre de recommencer là. Ne regarde pas. Arrête. Oh Robin, non. Vas-y, j'en ai marre là. C'est pas marrant. Mais je fais pas exprès en plus de me faire repérer là. Encore des raptors. Bon, on respire, tout ira bien. Ce ne sont que des prédateurs mangeurs d'hommes, après tout. Ce qu'il nous faut, j'y vais à la c'est you, un plan. Ok, allez. Comme la dernière fois, on ne fait aucun en fait, lui passe bruit. En fait, lui passe dans l'ombre et l'autre... Il... Non, il y en a un qui reste dans la lumière et l'autre qui va dans l'ombre. Si j'aurais bien compris. On va le tour par là. C'est chiant que le truc on va pas le prendre directement par la fenêtre quoi. Toi ta merde tu me vois pas. Que tu veux, je balance le truc, mais il l'a pas entendu en fait. Mais non, mais putain, mais tu vas faire... Mais genre, putain, tu fais chier, toi, hein. Non. Je n'ai plus personne à protéger. Vas-y, là, j'en ai marre. Putain, je balance le truc comme par hasard, il voit le truc qui vole, il me voit à la place du truc qui vole, quoi, s'il te plaît. Enfin... Putain... Chatte à sa mère de Black Flag, non. Encore des raptors. Bon. Vas-y, je m'en tape, j'y vais comme ça, ça me saoule. Ce ne sont que des prédateurs mangeurs d'hommes, après tout. Ça m'énerve. Ce qu'il nous faut, c'est un plan. Je fais pas exprès, j'essaie de me concentrer et tout, et puis comme il me repère là. On ne fait. Vas-y, ta mère. Bruit. Vous m'avez pas vu. C'est bon là. Putain, il est là. Putain, je pensais qu'il allait regarder la caisse, moi. Putain, il me suivait ce bâtard, il me fait aucun bruit, il me suit par derrière, fils de pute, là. Toi, au pire, tu peux venir, au pire, toi.
peux m'aider? Non, encore des raptors. Bon, on respire, bien. Tout ira bien. Ce ne Allez. Sont que des prédateurs mangeurs d'hommes, après tout. Ce qu'il nous faut, c'est un plan. Ok, allez, comme la dernière fois, on ne fait aucun bruit. Je crois qu'il y a un qui me suit. Non ? Je sais pas, j'ai vu une ombre. Donc c'était l'ombre de la boule. Attends, c'est pas du jeu. Vas-y, passe. Passe, ne pêche pas. Oui. J'espère qu'il n'y en a pas un qui me suit derrière, parce que putain, sinon je nique sa mère, je prends pas les couilles et je m'en fais un string avec. Hein. J'en ai marre, putain, enfin j'avance quoi. C'est bon quoi. Ajouter. Bon. Par contre, voilà. Un petit peu. Quand je dis qu'avec la manette, c'est pas. Vous avez vu, c'est pas. C'est pour ça que je disais dans le live. Pour ceux qui auraient regardé mon live, que la DualShock, c'est bien, mais ça a été mieux jouer avec le PS Move. Deuxième batterie, il n'en reste plus qu'une. Ça, c'est parfois t'as des trucs, c'est vraiment pas maniable hein, dans la manette. Bon, je suis vraiment désolé les gars d'avoir mis un peu de temps. J'espère que vous aurez bien rigolé en tout cas. J'avais oublié ça. J'avais oublié. Moi, j'ai oublié beaucoup, moi. J'avais oublié que laver le dinosaure en dessous. Non, non. Désolé. J'ai pas fait exprès. Désolé, je suis vraiment désolé les gars. Pas mal pour moi. J'en ai marre. Tiens, c'est combien de cons je me fais avoir quoi. Je sais pas. Je vois que je me joue, ils sont peut-être pas là, bien sûr. Ben si qu'il est là.
Pourquoi tu veux qu'il ne soit pas là? C'est pas vrai. Quelqu'un me suce les couilles. Et là, ça va être rigolo. Rugis ! Un peu plus loin. Elle a dû se tomber. Elle n'y arrive pas. Bien, vous savez pourquoi ça va être rigolo ? Parce que je crois que je me suis trompé et que j'ai oublié de faire un truc de l'autre côté. Je crois que je vais le prendre de l'autre côté, le truc. Voir. Ça, j'arrive pas à le choper. J'ai dû louper. Parce que là-bas, on peut le prendre là-bas, non ? Je m'en rappelle pas, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus ce qu'il y avait de l'autre côté. Parce que là, je suis bloqué, hein, je peux rien faire. Tu crois qu'il y a là-bas ? Je crois qu'il fallait prendre le truc de l'autre côté. Par là on pouvait. Je crois qu'on pouvait passer par là, mais je suis pas sûr. Viens, ma belle. Elle ne peut pas suivre cet ordre. On va refaire un aller-retour pour voir. Mais... Putain. Je suis bloqué dans ce bordel là. Hein, j'aurais pu prendre le bois carrément. Sous ma gueule ce jeu. Voilà, ici. Un crabe. Mais tu veux du crabe? Tu veux de la chocolat pistache? Avec la pêche crabée du biscuit. Tout ça pour ça. Bon, toi ta mère, hein, elle est plus en bas. Okay. Et ils ont de la gueule, ils s'accrochent n'importe où. Lui. Il a cru pour Spider-Man ou pas. Hop. Hop. Ouais. Vas-y. Mais putain, mais je vais débloquer le passage là-bas, là. Sérieux. Je peux pas, moi, je peux pas m'abaisser, moi. Hein. Prends ça. Laïka, rugis. Là. Il y a un coup de boule. C'est bien, ma belle. Ouais. Ça, c'est beau. Ça, c'est un gentil toutou. Il est où, le gentil toutou? Ça veut dire que je vais être gentil avec toi parce qu'après il y a mon père, il va te le défoncer la gueule parce que mon père se le tire. Merci les gentils tutus. Et il est où les gentils tutus, hein? On le met dans le trou, au fond, comme ça. Hop. Parce que j'ai des scans en fait. Tac. Formidable.
Ah, c'est moi, Morgan. Toutes les batteries sont en place. Nous allons pouvoir alimenter le projecteur en énergie et le réactiver. Ah, le SRDI. Je vais l'activer comme ça pour pouvoir dégager ces débris. Ah, ben. Merci. Moi, j'avais pas envie de tout me retaper là. Je crois que je peux t'aider. Ça fait du bruit, chut. Est-ce que tu veux un coup de main ? Ben, ils vont arriver, le T-Rex. Enfin, les raptors, quoi. Ils peuvent monter là. Hein. Laisse-moi t'aider, on va trouver une solution. Hello, j'ai des dudus. Vas-y, viens. Tu dois faire ton coup de main. Voilà. Voilà, les petits dudous, il doit aller là. Alors, si on prend la facilité, ça fait 25. Ok. 90, 100, hop. Toc. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. 25, 55, hop, hop. Ouais, t'en fais déjà un. 150. Si je passe par là, ça fait 150 aussi. Alors, on va réduire de... C'est 100 qu'il faut. Okay. 150. Donc, on va réduire, on va faire de là. 150 aussi. Oh mon dieu. Je suis un peu perdu hein. Ce qu'on peut faire, on peut faire un papillon sur le pubis. Faire un papillon sur le pubis et c'est réglé hein. Cent douze, cent cinquante. Et oui, mais si rien ne passe par là. Cent douze. Cent cinquante. Cent trente et un. Bon, au pire, niquez vos mères. Moi qui est con ou j'arrive pas là? Oh attends, oh putain, oh putain, celui-là c'est... C'est quoi celui-là? C'est quoi ce bidule de brin? Donc ça y est, pas à 100. Bon, lui c'est fait. Lui... Soixante-quinze. Cent cinquante. Je suis con ou... Attends, 112. Ok, attends, on va voir. Cent.
signerai ton arrêt de mort. Veuillez vous asseoir confortablement. Le voyage va bientôt commencer. Non, pas où ? Veuillez vous asseoir confortablement. Le voyage va... C'est impossible. J'ai pas compris. Pourquoi je suis mort ? Est-ce que tu veux un coup de main ? Attends, je peux continuer. Pourquoi je suis mort ? Là, ça me saoule parce qu'il faut que je refasse tout ce bordel de rein. Petit enculé. Il m'a fait tomber. Laisse-moi t'aider, on va trouver une solution. Attends, mais j'ai pas compris pourquoi je suis mort en fait. Moi je suis dans la serre. La serre elle est tombée, ok. Je crois que je peux t'aider. Et. T'es là. Allez. Tac. Attends, t'es ça. T'es là, sans. Ok. C'est quoi le bordel là? 25. Ça c'est fait, 100. J'étais passé, j'avais fait lui. Ok, lui là j'avais fait comme ça. Attends, on va le tuer. Veuillez vous asseoir confortablement. Le voyage va bientôt commencer. Je suis assis correctement. Mange juste que les pop-corn. Laisse-moi t'aider. On va trouver une solution. Voilà, j'ai fait ça et après. Oh non, mais je l'ai éteint un peu. Mais merde, je m'en rappelle plus, j'ai le faire. Est-ce que tu veux un coup de main? Bah non, mais j'ai fait le truc quoi, enfin. J'ai pas compris. Hein. Veuillez vous asseoir confortablement. Le voyage va bientôt commencer. T'as fait de toute façon. Ça c'est fait. Ça c'est... Projection. Parce que là maintenant moi je peux remonter quoi. Veuillez vous asseoir confortablement. Le voyage va bientôt commencer. Il faut que je m'assieds où? Putain, faut que je m'assieds quelque part. Hein. Mais peut-être. Ah si, attends là-bas, je crois. Attends. Veuillez vous asseoir confortablement. Le voyage va bientôt commencer. On va voyager avec des raptors, quoi. Ils se déplacent en troupeau, les gars. Elle est où la salle ? Là ici, y'a pas un siège là?
Veuillez vous asseoir confortablement. Le voyage va bientôt commencer. Le traitement va prendre un moment. C'est vrai. Mon Dieu, pourquoi tu m'entends avec moi, toi ? T'as pas peur, hein ? T'as le peut-être chaise qui va me sauter la gueule, là ? Commencer. Ah. Tu as déjà vu ça auparavant. C'est beau. Souhaitons la bienvenue à notre invité de marque, Robin Anderson. Ah non, je suis pas Robin, moi. Je suis Batman. De toute façon, on va regarder un petit film, là. Un film en 3D, là. La lumière. La wow. Lumière dans le néant. La quête de l'humanité est longue. T'as vu comme il regarde la télé. Mais nous avançons sans relâche. Toujours plus loin. Toujours plus vite. Nous plongeons au cœur des ténèbres pour y apporter la lumière. Nous envoyons nos plus brillants émissaires vers de nouvelles étoiles. Vers de nouvelles planètes. Vers Tyson 3. À bord du vaisseau interstellaire Esmeralda. 3000 âmes auxquelles s'ajouteront génération après génération les enfants des étoiles nés au firmament des cieux. Où règnent les ténèbres, ils seront la lumière. Où règne le chaos, c'est légèrement flou. Où règne la mort, ils seront la vie. Dans un légèrement, c'est flou. Le plus grand voyage de l'humanité prendra fin hologramme, sur Tyson 3. Faut pas trop mais ce n'est que le début. Nos enfants vivront main dans la main. Travailleront main dans la main. Et main dans la main, pourquoi y a des fleurs, bâtiront un monde nouveau. Mon Dieu, y a quand des un fleurs, voyage s'achèvera, un autre commencera. Et ce sera la plus incroyable épopée de l'histoire humaine. Nous bâtirons un monde nouveau là-bas. Nous insufflerons la vie aux quatre coins de l'univers. Et nous serons des êtres de lumière. Si seulement nous avions pu y parvenir. Oh, c'est ça qui doit être construit à la base. Tout ce qui est... Fais-moi confiance, Iz. Je la construirai, cette ville. Tout ce qui est cassé, en fait. Tout. Sur la Terre. Où j'atterris, en fait. C'est le vaisseau qui s'est craché. Oh là là là. Ne t'en fais pas, Robin. Non. J'ai un plan. Oh. Non, 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 non. Oh my God. Oh. Oh. Ça ne faisait pas partie de mon plan. Tyrannosaure. Météorite. Non, attends, un autre tyrannosaure. Scan Laika, vite. Il a appelé Laika. Évidemment, je vais projeter son scan dans la salle. Ça me permettra de gagner du temps. Ne me regarde pas comme ça, tu fais peur. Bon travail, allons-y. Je crois que j'ai trouvé une sortie. Pourquoi mon dernier ? Par ici. Vite, Robin. Attention. Non, oh, c'est fermé. Au travail. Laisse-moi t'aider. Faut faire quoi? Faut faire quoi? La projection ne va pas l'occuper longtemps. Oh, si seulement nous avions une météorite. Le projecteur. Oui. Peut-être qu'en désactivant la lévitation, ça pourrait marcher. Oh, mais fais quoi, ce connard ? Je vais le scanner rapidement pour vérifier qu'il est bien mort. Il pourrait pas le savoir. Putain, j'ai vu. Franchement, j'ai vu, mais ouf, genre. Soulagement. Il est mort pour de bon. C'est fou. Genre ce 10 cm de ma gueule, quoi. Quand on met nos différences de côté. C'est vrai. Merci, X. Eh, franchement, le jeu, il est cher. Franchement, il est quand même sacré. La famille de la Kaka, on dirait. Qu'ils veulent s'en prendre à elle aussi. Mais ça les vaut. Elle doit représenter. Mais ça les vaut. Pour vivre cette expérience-là, ça les vaut. Si elle est vraiment une sorte de super prédateur, elle pourrait nous être particulièrement utile. Mais si elle n'est pas bien apprivoisée, tu as intérêt à la dresser comme il faut. Si tu veux qu'elle devienne membre à part entière de notre. De la dresser, moi, tu vas voir. Et le projecteur. Ah oui. Ah, mais j'ai eu le chase pour la première fois. Allons-y. Ça, c'est la première apparition de la tyrannosaure dans le jeu. C'est parti. Je suis votre commandant. Là, vous avez vu. Et je vous supplie. Et vous avez vu cul. Si vous décollez. Attends-moi la première. Mon Dieu, non. Des membres de l'équipage ont essayé de faire décoller deux fois l'escalator. Regarde la télé, tout le monde. Explosion a éjecté l'Esmeralda de son orbite stationnaire.
préparer les capsules de sauvetage. Les capsules étaient désactivées, condamnées. Quelqu'un les a verrouillées. Pourquoi ont-ils désactivé les capsules de sauvetage? Mon Dieu, y a-t-il seulement quelqu'un à l'intérieur? Lancez les capsules manuellement, tout de suite! Elle a été obligée de lancer toutes les capsules. Peut-être n'y aura-t-il qu'un seul survivant, mais ce sera déjà mieux. Il explique, lancez-les! Mais il sauvetage quoi, enfin il explique. Enfin, je ne comprends. L'équipage n'a pas eu le temps d'évacuer. Les gars, ils se demandent, bah merde, ça a disparu. Elles sont toutes vides. Non, attends, il y a des gens dans celle-là. Et encore là, sale. D'autres ont réussi à s'enfuir. Je n'arrive pas à le croire. Regardez, et vous voyez ça quand même? Il y en a tellement. Et toutes ces capsules rouges, en fait, c'est toutes des capsules vides. Et en bleu, c'est où il y a des... Où mais des gens ont bel et bien réussi à quitter l'Esmeralda. Peut-être c'est toutes les capsules vides quand même. Évidemment, il faut encore qu'ils aient réussi à survivre sur la planète. J'espère qu'ils avaient un X comme moi pour les aider. C'est hallucinant, pas hein. Vous imaginez, imaginez une planète comme ça qui se voit en fait avec des dinosaures, et tout. Venez, quoi. Rentrons à la maison. Pour être marrant. Ouais, un trophée. Robinson, jeu de journée. Ah, c'est fini.